Je continue donc mon déballage de swap, j'ai du monde qui est arrivé à la maison. Donc je continue avec le numéro 18. Désolé, le carton est arrivé déglingué. Donc ça c'est pas grave du tout. Donc c'est la Lorac Pro de chez AliExpress. Vous venez d'entendre tout simplement ma marraine. Hein. Nous sommes une famille très équilibrée. Donc elle est contente, elle est dehors, elle hurle dans mon jardin. Normal. Donc il y a la petite base, comme ça, le petit primer de fard à paupières à mettre avant en fait. Et elle se présente comme ceci, avec le miroir et tous les fards. Donc ce sont des tons un peu nude, marronnés, quoiqu'il y a un petit violet et un bleu un peu. Elle est très très jolie et je suis super contente de pouvoir enfin la tester parce qu'elle me fait de l'œil depuis vraiment longtemps. Donc je te fais des gros bisous et je suis très contente, je te dis merci. Donc je vais pas dire merci à chaque fois encore une fois. Parce qu'il y a tellement de choses que voilà, c'est difficile. Donc je vais faire un peu de place. Ensuite, nous avons celui-ci. Je sais plus le numéro, je crois que c'est le 4. Tu vas adorer, il est trop beau. Voilà! Il est juste, mais trop craquant. C'est un petit porte-monnaie avec deux fermetures. Comme ceci. Et franchement, il est vraiment trop canon. Ah ouais, je le trouve trop, 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 trop beau. Franchement, je vais pas dire c'est ça qui m'a fait le plus plaisir, c'est les très jolis cadeaux, mais j'étais trop contente d'avoir ce petit porte-monnaie. Il me plaît vraiment, mais trop, trop, trop. Il va aller direct dans mon sac. Bye bye, le porte-monnaie fait clochette. Bonjour les e-books, e-books, e-books. Ah, il est trop beau, franchement, j'adore. Ensuite... je ne sais pas si c'est ce numéro. Ouais. Tu les aimes d'amour, un de plus. Ils sont magnifiques. Donc c'est encore un Ralph Milani. Et c'est le 14 Rose Hip. Et celui-ci, je l'ai vu samedi. C'est Aurélie qui l'avait. Il était trop beau. Et je suis trop contente parce que maintenant, moi, j'en ai un aussi. Oh là là. Mais vraiment, c'est... Je vous les conseille tous. Hein, les Milani sont trop beaux. Merci, ma Luciole. Alors, ensuite, hop là, j'avais ceci, donc le numéro 14, en mode baroque. Donc c'est un petit chapeau comme ceci, tout beau, tout léopard, avec deux petites pinces comme ça derrière. Et j'en avais eu un rouge pour, que j'avais acheté pour Halloween, parce que j'étais déguisée en vampire et tout. Et ma maman me l'a taxé. Donc du coup, celui-ci, ça va être juste trop bien pour... shooting photo ou quoi, franchement il est trop mignon, j'adore, j'adore, merci, il est vraiment trop chou. On continue, alors on continue avec le numéro 6, un petit cadeau du Portugal. Donc c'est un joli bracelet vert avec des petits brelots, feuilles, trèfles, avec une petite clé. Il est juste trop mignon. J'adore ce genre de bracelet. Hop là. Il est trop chou. Donc je l'enlève parce que je vais faire des photos après de tout ça. Numéro 17. Parce que je les trouve magnifiques. Ouais, comment vous dire qu'elle est complètement tarée. Regardez-moi cette petite merveille. C'est un petit bracelet. Avec plusieurs bracelets dans un, on va dire. Donc, un avec des petits clous, un avec des tresses, un avec des petites chaînes. Il est vraiment très, très, très joli. J'aime beaucoup. Et elle est juste complètement tarée parce qu'en fait, elle n'en a pas mis un. Elle en a mis un deuxième. Dans les tons violets, comme ceci. Il est vraiment très, très joli également. Mais comme c'est pas que une tarée, c'est une méga tarée, il a fallu qu'elle en ajoute un dernier. Dans des tons un peu corail. Voilà, ils sont juste magnifiques. Alors, je sais pas d'où ils viennent, si c'est Primark ou si c'est Action, mais ils sont vraiment très très beaux et j'ai super hâte de les porter. Merci beaucoup. Ah, ils sont vraiment trop beaux. Ils sont trop beaux. Ensuite, le numéro 23. Une odeur que tu adores. Et il s'agit en fait d'une petite bougie comme ceci de chez Sephora au Monoi.
Et franchement, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sentent bon, quoi. Elles sont trop, 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 trop bon. Et j'ai vu samedi, Lily, elle a acheté une crème au Monoeil comme ça. Donc, je savais pas que chez Sephora, ils faisaient ce genre de produit. Donc, du coup, il faudra que j'aille voir un peu plus près tout ça. Le numéro 11. Pour tes jolies créations. Alors, en fait, c'est des petits charmes. Donc, il y a une aile, une croix, deux petites fées, une main, un petit landau, un petit fer à cheval. Un petit cheval à bascule, pardon. Voilà, c'est des petits charmes à fixer sur les colliers, les attrape-rêves, les bracelets, enfin toutes les créations que vous voulez. Je trouve ça super sympa qu'elle y ait pensé. Et encore une fois, ça prouve que Karine, elle fait vraiment ses swaps avec le cœur parce qu'elle prend vraiment. Elle prête vraiment attention à tout ce que je lui dis et ça me touche énormément. Voilà. Ensuite, le numéro 3 de jolies couleurs que j'avais également mis dans ma wish list. Donc c'est une petite palette Love Me que j'avais vue en fait sur le site d'Eva Beauty Access. Si tu veux bien... Ouais non, vous allez pas tous me faire le coup. Non, voilà. Elle se compose comme ceci avec un grand miroir, le petit fly avec le nom des phares, un double en boumousse et toutes les couleurs comme ceci. Elle est juste vraiment très très jolie. J'ai envie de mettre les doigts dedans. Elle est vraiment très jolie. Hop là. Vous voyez, ils sont métalliques. Waouh, ils donnent vachement bien. Ils sont trop beaux. Limite, j'aurais pu faire les swatchs des autres, en fait. Ouais, je vous ferai une vidéo swatch au propre, parce que c'est vrai que là, niveau lumière et tout, c'est chiant, quoi. Hop là. Oh non, je viens de flinguer un phare, putain de merde. J'ai mis le truc dedans. J'ai flingué le phare, là. Hop là. Ensuite, le numéro 24. Le numéro 24, elle me met 24, même pas 42. Un rangement tout mimi. Comme ceci. Il est juste trop trop mignon. C'est un petit arbre avec un petit oiseau là. Et pour mettre des bagues à l'intérieur. Alors ça j'en suis ravie. Parce qu'en fait j'ai acheté chez Action le même. En format... enfin comment dire, boucle d'oreille. C'est deux cartons en fait. Deux plastiques qui se clipsent pour faire un arbre. Et en fait c'est la même collection. Donc ça va être juste trop mignon. Merci beaucoup. Il est trop joli, franchement j'adore. Ensuite le numéro 7. Elle est sublime, il faut que je me la prenne. Il s'agit d'une palette slick. C'est la Nautical Collection Lit Divine. Calm before the storm. Hop là. Et ça, je l'avais dans ma wishlist aussi. Donc les slick, toujours le petit papier avec les références des phares. Le petit double en boumousse, pardon. Le miroir d'un côté. Et regardez-moi ça. Elle est vraiment super belle. J'adore. Slick, ils font toujours de très très belles palettes. Et vraiment, c'est au niveau qualité-prix, c'est top. Je vous les recommande vivement. Elle est vraiment trop trop belle. Je suis super contente. Ah ouais, elle est magnifique. Donc ça tombe bien, j'en ai quelques-unes de Slick et franchement, elle est trop belle. Ensuite, le numéro 10, l'avant-dernier article de mon swap, c'est pour tes... Non, pour ne pas attraper froid. Et il s'agit en fait d'un joli foulard dans les tons léopard, mais plus gris cette fois. Elle est vraiment trop trop jolie. J'adore le léopard, j'adore les foulards. Je ne peux pas sortir sans, donc voilà. Elle est vraiment trop trop belle. Je suis super contente. Hop là, et je vous ai menti, c'est pas l'avant-dernier, il me reste deux choses à vous montrer. Donc le numéro 41, elle m'avait mis ce que tu attends avec impatience. Et oui, j'attendais ça avec impatience. De ouf, j'attendais ça avec impatience. Et ça c'est clair, je vous referai une revue avec des swatchs dessus. Alors nous avons le fard Milani numéro 29.
Je les attends avec impatience parce que je m'en suis achetée. Et en fait, comme elle en avait déjà acheté au Portugal, elle m'a donné les références. Voilà, il est juste trop trop beau. C'est un espèce de bleu un peu lavande. Il est magnifique. Le numéro 68 qui est un taupe. Ça, je vais vous faire une revue dessus. Je vais tous vous les swatcher, c'est obligé. Le numéro 46 qui est un beau rose fuchsia pétant. Trop beau. Ouais, vous verrez que il y en a certains que j'ai déjà foutu les doigts dedans parce que je pouvais pas attendre. Le numéro 61 qui est un bleu vert en fait. Oh, il est trop beau, c'est un turquoise pétant. Ils sont vraiment magnifiques les Winnie. Le numéro 59 comme ceci, dans un ton un peu plus clair que son copain. Je voulais. Vous voyez, là, on voit pas fort, mais il est plus clair en fait. Ça, c'est obligé, je vais vous faire une revue swatch. Le 67 qui est un bronze. Ah, il est très très beau. J'en suis amoureuse de ces fards. Franchement, les Winnie, c'est un truc de dingue. Le numéro 43. Superbe aussi rose. Le numéro 34 qui est un bleu nuit. Magnifique. Métallique, c'est vraiment très très joli. Le numéro 60 qui est un joli vert émeraude. Les reflets de malade qui font ces fards, c'est un truc de dingue. Le numéro 44, magnifique. Et le dernier, le numéro 65 qui est un orange. Hein. On voit pas bien les couleurs, c'est vraiment dommage. Et juste, bah ouais, j'étais super impatiente d'avoir ces petits Winnie parce que je suis une grande fan des fards Winnie. Ils sont juste super beaux. Ils sont métalliques, ils font des nuances chromées, plein de reflets. Ils sont pas chers, ils tiennent bien. C'est vraiment une super qualité. Je vous les recommande vivement, 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 vivement. Et en fait, voilà le dernier article qui est le numéro 47. Tu vas surkiffer, hihi. Et elle claque. Je suis jalouse car je l'ai pris pour toi avant moi. Et il s'agit de la magnifique palette Zoeva Love is a Story. Elle est vraiment mais méga belle. Ça, c'est clair que je vais m'en acheter d'autres des Zoeva parce qu'elle est top, 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 top. On retrouve le petit. Les petites protections et regardez-moi ça. Elle est juste vraiment magnifique et j'ai juste super hâte de l'essayer. Elle est vraiment très très belle. Donc déjà, je te remercie pour tout, ma Luciole. C'était vraiment un swap génial. Un swap pas prévu à la base parce qu'on en avait fait un et puis on a continué bêtement, entre guillemets, à s'acheter des cadeaux mutuellement. Donc on a décidé de faire un deuxième swap. Il est juste superbe. Il n'y a rien vraiment, il n'y a rien qui ne me plaît pas. Tout me plaît. Tout a tout choisi avec amour et en t'occupant de mes goûts, mes couleurs, mes envies. Je suis vraiment super, super contente. J'espère juste que le mien t'aura plu autant que le tien m'a plu. Voilà, je suis juste super contente. Maintenant, je vais pouvoir tout ranger. Comme tu le sais, tu es une fille que j'aime énormément. Pour moi, tu es comme une petite sœur. Tu es vraiment. Voilà, t'es une fille extraordinaire. Je t'aime fort, fort d'amour. Et jamais, 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 jamais je pourrais te sortir de ma vie. T'es vraiment mon coup de cœur. Comme quoi, Instagram, Facebook, Internet, YouTube, on fait de superbes rencontres. Tu en fais partie. Tu es vraiment mon amie. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je te fais plein, 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 plein de gros bisous. Merci, ma chérie. Ciao, ciao. Voilà. Voici mon petit swap déballé, petit façon de parler. Car évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Merci ma Luciole, je te fais plein plein de gros bisous.